soulez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Oh, oh, oh. On vivait tout nu, on était des nomades. Plus on évolue et plus on rétrograde. On manque de globules et on devient maussade. Plus on prend de pilules et plus on est malade. À ce rythme-là, on verra bien où on va. Paranoïa, paranoïa. Au pays de la paranoïa. Paranoïa, on se sent tout de suite comme chez soi. Paranoïa, quand on part pour ce pays-là. Paranoïa, on est sûr qu'on n'en revient pas. On vieillit tellement vite qu'on ne s'en aperçoit pas. Si on mourait tout de suite au fond, ça changerait quoi? On a tous dans la tête des paradis perdus. Si la vie est une fête, que la fête continue. Sur ce rythme-là, on verra bien où on va. Paranoïa, paranoïa. Au pays de la paranoïa, paranoïa. On se sent tout de suite comme chez soi. Paranoïa, quand on part pour ce pays-là. Paranoïa, on est sûr qu'on n'en revient pas. Si on ne sait pas pourquoi on est là, on sait très bien où on va. Paranoïa, paranoïa. Au pays de la paranoïa, paranoïa. On se sent tout de suite comme chez soi. Paranoïa, quand on part pour ce pays-là. Paranoïa, on est sûr qu'on n'en revient pas. Invité par les étudiants de l'université à se prononcer sur les événements actuels. Le gourou marabout ne s'est pas contenté de prêcher le retour à la vie naturelle, comme il l'avait fait par le passé. Arrêtons-nous de bâtir des gratte-ciels. Arrêtons-nous de construire des souterrains. Sinon nous vivrons une vie artificielle. L'univers de demain n'aura plus rien d'humain. Il a été vivement applaudi quand il a préconisé la fondation d'un nouveau parti qui défendrait les théories. L'écologie, puis dans une envolée inattendue, il a exhorté les étudiants à descendre dans la rue. Je vous encourage à la violence. Ouais. C'est une réaction saine contre la décadence. Ouais. Dans laquelle vous vivez sans vous en rendre compte. Dans laquelle vous pouvez sans même en avoir honte. Sans même en avoir honte. Et je défie 0 janvier. Ouais. De m'affronter dans un débat télévisé. Ouais. Où je lui réglerai ses comptes.
où je lui réglerai ses comptes. Y a de la police dans toute la ville. Ici c'est devenu bien tranquille. Personne n'ose plus mettre les pieds à l'un d'un grand café. Et moi je lis des magazines où l'on voit la vie en rose, où l'on roule en limousine. La spotlight sur nos mélodies vives, devant les boucliers de la cause féminine, qui risque de faire d'elle une passionnariat, a décidé d'abandonner le cinéma. Après avoir tourné ce film tant attendu, où pour la première fois on ne la verra pas nue, ce film qui s'intitule Boulevard du Crépuscule. Décidément, elle ne craint pas le ridicule. Ce film est un remake du célèbre classique, dont elle adaptera le scénario à son histoire. Ensuite, elle se retirera dans sa villa sous les tropiques pour écrire ses mémoires. Sur qui on éjacule, seul.
rêve les voir mourir. Le dernier sexe s'envole. Venez voir, venez rire. À la fin d'une idole. J'ai raté ma vie. Je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie. Je ne veux pas rater my goodbye party. Goodbye, goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine. Précédé par mon armée en tenue de gala, porté triomphalement par un char d'assaut blanc, vous serez acclamé comme la reine de Saba. Mais à mon avis, il a perdu l'esprit. S'il croit que c'est comme ça qu'il mourra dans son lit. Je ferai ériger une statue de vous. Il est complètement fou, il se fout de vous. Pour que l'humanité vienne admirer votre beauté, dont les canons seront ainsi immortalisés. Madame, répondre à mon invitation, gardez au moins cette élégance.
Depuis ce fameux jour-là, il paraît qu'il se cache quelque part dans un vieux hangar. Ils peuvent difficilement se montrer avec leur petite amie Cristal, qui doit pourtant nous préparer un joli scandale. Un joli scandale. Maintenant, ma fille, il va pas loin. Sans niquer ton enlèvement. Comme niquer en allemand. Je crois que ce serait plus fort d'envoyer un message filmé. Je crierai au monde entier, je suis avec. J'ai sûrement un émetteur à neutrons qui peut brouiller les ondes. Transmettre à la télévision un message de 30 secondes. Contact. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Si c'est elle qui a raison, on la faire à sa façon. C'est là qu'on voit que le petit garçon a bien appris ça de temps. Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions. Et si moi j'ai pas envie de jouer les coups violents, alors personne ne te retient, tu fais ce que tu veux. Johnny, je te préviens, tu joues avec le feu. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'intérieur en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. J'suis mal dans ma peau. Si jamais c'était plus beau, plus
confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. La dernière note est un do. Oh, tu savais plein de si. Cela faudrait un verre d'eau. Non, j'ai hâte que ce soit fini. Soyez un peu plus convaincu. Convaincu, mon cul. Et un peu moins sophistique. C'est à l'homme de la rue que nous voulons nous adresser. Jingle, PPPP, une cinquantième. Action. Si vous voulez un homme faux, zéro, c'est l'homme qu'il vous faut. Zéro, c'est l'homme qu'il vous faut. Coupez, là vous étiez trop agressive. Soyez plutôt versive. Moi j'avais plutôt lassive. J'ai l'impression qu'on se lessive. La raison, sois plus sexy. Ah, c'est mon image, une agressive. C'est pour ça qu'ils vous ont choisi. Alors qu'ils me prennent comme je suis. Ah. Jingle, PPPP, une centième. Action. Si vous voulez un homme faux, zéro c'est l'homme qu'il faut. Zéro c'est l'homme qu'il vous faut. Coupé. Cette fois c'est très bien chanté. Mais c'est encore un peu trop plastique. Oh, c'est ma façon d'interpréter. Mais vous êtes complètement statique. Je joue sur l'intériorité. Jouez au moins sur vos tics. C'est ça la politique! Ah. Jingle, PPPP, une 250e. Action. Si vous voulez un homme faux, zéro c'est l'homme qu'il vous faut. Zéro c'est l'homme qu'il vous faut. Mais, oui, c'est parfait, merci. C'est non, non, il va falloir recommencer. La caméra numéro 3 n'a pas fonctionné. Tu me le fais juste une petite fois. C'est une question de cadrage. On va pouvoir garder la foi.
on refait tellement l'image. Ah. Jingle, PPPP, une millième. Action. Coupé. Après cette publicité, pour le bois et des effets, voici donc tel que prévu, ce débat tant attendu. Mettons ton pistère au janvier. Mon Dieu, je veux pas manquer ça. Le chef du PPPP, ça vaut la peine que je m'assoie. Et le grand tour au marabout, en habit blanc, oh là là. Le leader des marabichous, ça va border là. Le débat est arbitré par notre ami Roger Rocher. Messieurs, la balle est lancée, à vous de l'attraper. Bâtirons le nouveau monde atomique. Rangourou, marabout, la parole est à vous. Arrêtons-nous de bâtir des gratte-ciels où l'homme ne sera plus esclave de la nature. Monsieur Zéro Janvier, votre tour viendra après. Johnny Rockford à la vie, à la mort. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Je suis avec Johnny Rockford à la vie, à la mort. Nous vous excusons, mesdames, messieurs. Avant la fin de l'émission. En attendant, nous retournons dans le feu de la discussion. Je vous encourage à la violence. C'est une réaction saine contre la décadence. Moi aussi je suis pour la violence. Elle servira à ma cause, du moins c'est ce que je pense. Lance ! Quand le peuple en aura assez. Assez ! Pour sa sécurité, il votera PPPP. Depuis qu'il passe à la télé, le grand gourou a bien changé. Décidément, cette starmania, ça vous fait faire n'importe quoi. D'ailleurs, à ce qu'on m'a dit, il se passe de drôles de choses chez lui. Des séances de groupe thérapie qui ressemblent à des orgies. Des orgies. Cinéma porno, je marche en rasant les murs.
porno. Je suis dans une salle obscure où des messieurs d'âge mûr regardent un film sans parole. Je sens des mains qui se glissent comme des pierres entre mes cuisses. Sex shop. Je suis dans un film d'horreur. On ne voit que la figure. On ne voit pas tout de ceinture. Ah, sur un lit de couture. Dans une chambre de torture. Ah, ah, ah. C'est ça. C'est le matin. Le message de Cristal sur Télé Capital crée une vive émotion dans toute la population. Ici pour vous, Roger, Roger, je suis allé interroger le père et la mère de Cristal qui semblent avoir sombré dans le désespoir total. Elle n'est plus ma fille si elle a fait ça. Comment pourrait-elle être tombée si bas? Nous lui avons donné la meilleure éducation. Elle a sûrement été droguée par des cochons. Surveille ton vocabulaire, on est à la télévision. Si j'en tenais un sous la main, je lui arracherais les deux yeux. Comprenez sa réaction. Hypertension. On était des lieux si heureux. On était des lieux si heureux. Risquez vos vies sur les
les autoroutes de la folie. Alors, vous comprendrez jusqu'où on peut aller quand on a rien à perdre, rien à perdre. Quand on a rien à perdre, quand on a rien à perdre, quand on a rien à perdre, quand on a rien à perdre. Contre
détruit ce désir, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. Ça fait 2 heures que je m'impatiente. On va être en retard à cette soirée dansante. Au profit des recherches sur le cancer. Tu sais très bien que c'est important pour ma carrière. J'arrive de chez mon coiffeur. Tu vas lui trouver un taxi. Tu sais très bien que le mardi, je donne congé à mon coiffeur. Je voulais seulement vérifier si tu pouvais me mentir. Et bien maintenant, je le sais, tu mens comme tu respires. Je sais très bien que tu as été, je t'ai questionné par mes agents secrets. Peux-tu me dire ce que tu vas faire chez le gourou marabout? Ou bien tu me dis la vérité, où tout est fini entre nous? Faut bien que je m'occupe de mon âme, au moins une fois par semaine. Avant j'allais chez le psychiatre, il me rendait complètement schizophrène. Sans compter tout ce qu'il me coûtait, tous mes bijoux y sont passés. Maintenant je vais chez le gourou, là au moins ça ne coûte pas un sou. Et pendant que madame va soigner son âme, moi je fais les 100 pas devant sa villa. Dépêche-toi d'aller t'habiller, ton manteau de chinchilla blanc. Les gens qui viennent à cette soirée peuvent en avoir pour leur argent. J'en ai assez d'être à ton service. Avant je vendais du rêve. Et maintenant je vends du vice. Non, non, ce soir je fais la grève. Et si tout est fini entre nous, eh ben je m'en fous. Je te le demande à genoux. Peux-tu me prendre pour époux? Qu'une vie, pourquoi la partager? Pourquoi vivre de sucette pour vivre à moitié? Pourquoi mélanger l'amour et la pitié? Quand on est malheureux, on est bien plus à deux. On n'arrive jamais à s'aimer sans se marcher sur les pieds. Non, 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 non. Ego trip, moi je fais mon ego trip. Ego trip, tu fais ton ego trip. On n'aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? Ego trip, chacun fait son ego trip. Moi je suis avec toi parce que tu me fais du bien. Toi tu te sers de moi pour arriver à tes fins. Faut pas mélanger l'amour et le métier. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir se rendre heureux. Jamais content, tous les deux en même temps. Non, 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 non. Ego trip, toi tu fais ton ego trip. Ego trip, moi je fais mon ego trip. On aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? Ego trip, chacun fait son ego trip. Me fait monter au nu. Si tu me laisses tomber, je suis un homme déchu. Peux-tu être à moi pour la vie? Je t'en supplie, dis-moi oui. Ego trip, toi tu fais ton ego trip. Ego trip, moi je fais mon
égotrie. Hé, on aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? Égotrie, chacun fait son égotrie. Cristal est devenue une héroïne populaire depuis qu'on a reçu cette photo spectaculaire où on la voit avec une arme laser. Son poster est partout en milliers d'exemplaires. Oh,
sur un banc, seul, au milieu de mon empoli. À la surprise générale, l'actrice Stella Spotlight a annoncé son mariage avec Zéro Janvier, qui sera célébré dans l'intimité en la cathédrale Notre-Dame des Armées. Le soir, il y aura une réception géante au Nasina, la nouvelle discothèque tournante située au sommet de la tour dorée du complexe commercial. Zéro Janvier. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Je m'envole, assis derrière ma console. Demandez pas le slow. Je suis fonctionnaire du disco. C'est une musique mécanique. Musique apocalyptique. Je vois le monde s'écrouler dans un écran de fumée. Hey. Je fais danser le jet set. Défiler les vedettes, tous les gens qui ont du chic, tous les gens qui ont du fric. Je m'envole, assis derrière ma console, je m'envole, ma console. Le soleil brille en un dîner sur le building sans état.
photo. Le jour sur les journaux. Mais quand elle me poursuit, au détour de la nuit, elle passe incognito. Oh, ne soyez pas surpris qu'elle vous tire. Thank you.
l'homme qui est à mes côtés. Mesdames, messieurs, vous ne voudrez pas y croire, mais après tout, c'est vous qui avez voté. Telle est la volonté de la majorité. 180 000 voix, encore 9 000 voix et nous gagnons le combat. Si vous voulez savoir la morale de l'histoire, rentrez chez vous et regardez-vous dans un miroir. Ou bien regardez-moi, accroché au pouvoir. Voyez où peut mener le désir d'être une star. Or, serait-on fou? On est très près du milliard. Et on a gagné, chantons toute la victoire. À quoi ça sert de vouloir monter si haut? À quoi ça sert de vouloir être si beau? S'il ne reste plus rien, quand vient la fin du show, que la chaleur d'un spotlight sur la peau. Participez pour le progrès, c'est aujourd'hui président de l'Occident. La vie.
Des fans de Starmania dans la salle. Merci à tous. C'est incroyable de pouvoir jouer ici dans notre commune de Saint-Clément-de-Rivière. C'est... Ouais, c'est... Donc, l'association s'est créée il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et on est très fiers de vous présenter ce spectacle ce soir. Alors, je vais essayer d'aller vite. Désolé. J'ai prévu un petit mot donc, pour les remerciements quand même, parce qu'on a été énormément aidés tout au long de l'année. Et notamment ce soir déjà, avec Gilles et Fabienne qui étaient au son. Alors, je précise quand même que
Personne n'est dans le métier, donc c'est la deuxième fois maintenant qu'ils font ça. Donc c'est incroyable. Enfin, bon, il y a 14 micros à gérer, hein, c'est énorme. Ouais Lucie et Florian à la musique. Voilà. Sébastien à la lumière. Jean-Noël à la poursuite. Merci tout particulier à Philippe qui les a coachés tout au long de l'année, voilà, qui les a aidés, qui s'y connaît un petit peu. Merci. Merci à tous ceux qui ont géré l'accueil, la buvette. Donc on a Slavko, Florian, Dominique, Gilles, Vincent. Alors Vincent, non, finalement, il a géré avec nous. J'ai oublié l'homme de l'ombre. Il est où le pense-bête humain. Vincent. Loïc, Lucie, qui nous ont aidés donc à la buvette et à l'accueil ce soir, super. Merci aussi pour les décors donc à mon papa, Vojislav Mladenovic. Voilà. Il y a Bruno Sénanoche, le papa d'Audrey, qui nous ont aidés à faire tous ces décors. Merci énorme aussi. Il n'est pas là ce soir malheureusement. C'est Stéphane. Il est, pas, il est vivant. Hein. Il n'a pas pu venir. Donc c'est Stéphane qui a composé. Donc, enfin, il a composé. Non, c'est Michel Berger. Mais il a réécrit toutes les musiques à partir d'une écoute de l'album de 79. Donc on en a trouvé 18. Il y en a 60. Voilà. Donc c'est lui qui a tout composé avec un logiciel sur ordinateur. C'est fou. Bravo on Stéphane. Pas, ouais. Merci à Céline pour son coaching vocal tout au long de l'année. À Audrey pour les chorégraphies. Bravo. À Nicolas pour les costumes. Bravo Nicolas. Bravo. Bravo. Bien sûr, on remercie donc la commune de Saint-Clément-de-Rivière qui nous reçoit. Donc, monsieur le maire Jérôme Pouget, je crois qu'il en tout cas, il a payé sa place. Alors, je ne sais pas s'il est là. C'est bien. Donc, j'espère qu'il est là. Merci également au conseiller délégué à la culture. Alors, il est où il est... Ah Grégory Voltaire. Un énorme merci à la coordinatrice qui fait le lien entre les associations et la mairie, Marie Giraudet, qui nous aide tout au long de l'année au CFA à avoir la salle pour répéter. C'est super. Merci à toute la troupe, puisque la mise en scène a été un travail commun. Voilà, merci. Merci à vous de m'avoir supporté tout au long de l'année aussi. Je précise que nous avons une prochaine date la semaine prochaine à Saint-Bosile-de-Montmel. Il restait 13 places tout à l'heure. Alors voilà, si vous connaissez du monde, voilà, faut jeter dessus. Hein. On va peut-être jouer égal à vous. Ouais. Enfin, peut-être une deuxième date à Saint-Clément, on ne sait jamais. Une date aussi, peut-être à Assas, je crois qu'il y a une personne dans la salle, ouais, on doit négocier, hein, le 18 mars. Le 15 avril, c'est à Boisseron. Et puis on a déjà une date en septembre, le 23 septembre, à Saint-Bresse. Hein. Voilà. Je voudrais remercier aussi le public d'avoir joué le jeu. Ah, mais moi, je ne les ai pas vus. Hein, mais a priori, vous avez joué le jeu avec les fans. Alors, vous êtes fait engueuler par Stella Spotlight. Hein, c'est vous qui avez voté, a priori. Hein. Donc, justement, si vous aimez Starmania, on aimerait vous présenter, hein, si vous êtes d'accord, une chanson qui était dans la version originale en 1978. En fait, l'album a été créé avant le spectacle. Et en 78, ben, la fin était un peu différente. Il y a des extraterrestres qui débarquaient pour donner un peu une chorale. Donc elle n'a pas été jouée en 79 lors de la première. En revanche, la version de 1980 au Québec comportait le rôle de l'extraterrestre joué par un enfant. Ça passe mieux au Québec, mais ça, il est un peu plus dur que le final actuel. Je vous propose d'écouter à la fin, il fait 6 minutes 30 normalement. On est passé à 2 minutes 30, je crois. On attaque le
le bout qui ne ressemble pas au final que vous venez d'écouter. Voilà. Merci. Alors, ça fait quoi de se faire traiter de minuscule, ridicule ? Elle était un peu plus violente, je trouve, la fin prévue à l'origine. On a rendu hommage à 78, à 79 et 80. On n'a pas rendu hommage à 88 et les suivantes. Donc, si vous êtes d'accord, il faut être un peu plus chaud. Vous êtes d'accord pour qu'on continue ? Ah oui, voilà. D'accord, ok. Bon. Alors, on va continuer. Donc, juste, c'est la dernière. Hein. On va faire un hommage pour toutes les suivantes. Donc, en 88, il faut savoir que c'était une édition particulière, puisque c'est... En fait, en 79, Michel Berger voulait une version, et Luc Plamondon voulait une version à l'américaine. Et donc, ils ont engagé un Américain pour faire la mise en scène. C'était Tom Horgan, je crois. Et en fait, les retours du public étaient, bon, c'était pas très compréhensible. Très bon accueil, bon, ils ont joué que 29 fois, parce qu'il y avait le Bolchoï qui arrivait après. Mais voilà, il y a eu d'assez mauvais retours sur l'histoire, sur la compréhension. Donc ils ont refait leur sauce en 88. C'est Michel Berger et Luc Plamondon qui ont fait la mise en scène. Donc elle est très importante pour eux. Elle a également la particularité d'avoir eu au casting deux frères. Donc... Richard Groux, qui était le 0 janvier, et Norman Groux, le Johnny Roquefort. C'est particulier. C'est rare. Ce que je voulais dire également... Le 6-7. Ah oui, voilà.
Et c'est dans cette version 88, en fait, il finissait par Stone, mais juste avant, ils ont mis en place un trio qui reprenait un peu tous les thèmes, toutes les chansons majeures de l'opéra rock. Et ensuite, ce trio, donc c'était avec, il y avait donc Richard Grew, Norman Grew et Sabrina Laurie qui chantaient ce trio. Et ils ont, par la suite, en 94, ils ont étoffé, ils en ont fait cette chanson qui n'était plus dans le spectacle, ils en ont fait le fer de lance, en fait, la chanson de promotion du spectacle. Et donc, pareil pour 2000, 2006, par la suite. Donc, on vous propose de finir par ce morceau, qui donc a été chanté donc, par toutes les versions suivantes, donc ça tombe bien, on a rendu hommage à tout le monde. Donc, ça s'appelle le sextet, et vous verrez pourquoi, peut-être. Et quoi de mieux que démarrer par la grande, la divine, la magnifique et la sublime Stella Spotlight.
Agrou. Merci beaucoup. 0 janvier de 86 à 2000. Je sais plus combien. Merci beaucoup. Richard Agrou à Saint-Clément-de-Rivière. Bien sûr, d'être là avec vous ce soir. Merci Stéphane. Ouais. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette Starmania? Oh. Merci, c'est trop gentil. C'est eux là, il faut applaudir ce soir. En tout cas, merci de m'avoir invité. Finalement, franchement, vous m'avez fait revivre des souvenirs extraordinaires. Parce que bon, j'en ai fait plusieurs productions. J'ai fait en 80 au Québec, 86 encore à Montréal. Ensuite, j'ai fait la version avec Michel Berger, la mise en scène de Michel et Luc à Paris en 88, 89, 90, avec la tournée en Russie. Et la toute dernière production, c'est-à-dire, qui a commencé en 93, et je n'ai pas pu le faire parce que, bon, il y avait ma femme, j'avais rencontrée à Paris, qu'elle venait à Montréal vivre avec moi. Alors, en 93, Gilbert Coulier, qui est le producteur de Starmania, m'a demandé, Richard, tu viens faire le spectacle? J'ai dit non, j'ai ma femme qui vient s'installer avec moi à Montréal, je ne suis pas pour repartir à Paris. Alors, j'ai dit non. Et puis, c'est en 97 que Gilbert m'a rappelé. Et là, j'ai dit oui. Alors, j'ai fait les deux saisons avec eux, 97 et 98, et ma femme est avec moi. Bravo! Ouais, merci. Et franchement, je réalise ce soir le génie de Luc Plamondon. Et de Michel Berger. Franchement, c'est extraordinaire. Oui. C'est son choix. Et en plus, la relève est assurée. Hein? Franchement, hey, bonne main d'applaudissement là, pour eux. Merci. Song Troopers. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez encore profiter de la buvette, elle sera ouverte. N'hésitez pas. Merci.
Ouais.